inconnu au bataillon. Ouais, vraiment. Lila, je sais pas quoi. Qui est sortie de nulle part. Alors, celle-là, elle est vraiment sortie de nulle part. De sous terre, je pense. Ouais. elle a commencé à me tailler. J'ai pas compris parce que je la connais pas. Après, j'étais trop contente parce que vous m'avez tous identifié dessus. Mais vous avez tous pensé la même chose, c'est qu'elle cherchait du buzz. Bah ouais, parce que clairement, aussi, la seule fois où on a parlé d'elle, c'était pas quand elle a clashé finalement. Je la connais pas, je parle pas d'elle. Bref, elle se permet de m'insulter de si vulgaire. Mais est-ce qu'elle s'est vue, elle? Parce que je la connais pas, mais maintenant, du coup, je me suis renseignée parce que on a des personnes qu'on connaît en commun. Et la meuf, c'est clairement une cougar de 30 ans qui a de 18 ans. Donc après, elle vient me critiquer sur ma vulgarité. Mais toi, t'es vulgaire interne. T'as 30 ans, meuf, tu te petite jeune de 18 ans. Et t'as une teboule. Il est partout. Ouais, t'as boulé, t'es partout. Scandale. Ouais. Et en plus de ça, le plus choquant, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, parce que là, c'est clairement cette meuf, le camembert, qui dure encore tu peux. Hein. Mais je sais pas si vous vous souvenez, genre quand Ethan, quand Giuseppa a trompé Ilan avec Ethan Teboul, donc il a pris le seum, Ilan, et donc il a envoyé un message, parce que c'était la meuf, la villa, c'était la meuf de Ethan Teboul. Donc il lui a envoyé un message. La fille, en quête de buzz, elle a accepté. Donc Ilan, il a pris la route, il est directement parti la voir. Et il a 2 heures. Donc quand tu parles de vulgarité, avec moi, je sais pas, nettoie devant ta porte. Bah oui, chérie, tu mec avec la pastille bleue, au bout de 3 heures, tu donnes, chérie, je sais pas, attends de faire connaissance, fais-toi inviter au restaurant, je sais pas, c'est précieux normalement des fesses. La première chose, c'est de parler de vulgarité avec moi. Donc maintenant, je suis devenue EDF. Voilà, clairement, je suis plus Maëva Guénam, je suis Maëva EDF, GDF souhaite, parce que je suis en train de lui donner la lumière qu'elle recherchait. Voilà, tout ça gratuitement, alors que normalement l'électricité c'est payant, tu vois. Donc c'est bon, t'as eu ce que t'as voulu, mais juste, Bichette, nettoie devant ta porte avant de parler des autres. Parce que moi, mon truc en bas, il est fermé à double tour, et je le donne pas à des mecs certifiés, tout ça, pour du buzz au bout de 3 heures. Et moi, je sais pas, quand j'aurai 30 ans, je me taperai pas des minots de 18 ans, genre j'aurai trop peur de rentrer en prison pour pointage, genre vraiment. Allez, maintenant arrête de parler de moi parce que vraiment je vais pas rigoler avec toi.